ago. The woman and the children ran away. Even the earth came to her help. And the woman and the child were delivered. Bonjour, 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 mesdames et messieurs, frères et sœurs du monde entier, mais spécialement à tous les saints. Bienvenue dans la classe M, c'est l'espace multimédia de l'Église des Saints Restaurés. Ici, nous avons l'honneur de vous présenter la parole de Dieu, et bien dans toute sa pureté et en quatre dimensions. C'est l'espace Sainte Doctrine, mais mieux encore, c'est l'espace Évangile éternel. Pour vous servir, le patriarche, Bachaki de Mambagua, Dieu donné, apôtre de Jésus-Christ et docteur de l'Évangile éternel. Prions. Seigneur, nous prions que ton Évangile soit et non pas le mystère pour nous, mais plutôt la révélation. Car c'est toi qui as révélé ta parole dans cette saison pour que nous ne puissions pas être dans le noir, mais que nous marchions dans la lumière. Permets que nous soyons véritablement une ville lumière au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, nous inaugurons cet espace multimédia par une série de messages sur le thème Évangile éternel. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit du contenu d'un livre introductif que nous avons écrit rien que pour vous. Après ce thème, évidemment, nous allons continuer. Nous n'allons pas nous arrêter. Nous continuerons avec différents thèmes dans le cadre de ce que nous allons désormais appeler études bibliques renforcées. Les amoureux de la vraie parole vont en affoler. Aujourd'hui, nous commençons donc notre thème, l'Évangile éternel. Qu'est-ce que c'est? Depuis mon appel, il y a environ 3 décennies en arrière, j'ai commencé à recevoir du Seigneur des révélations touchant la restauration de l'Église des Saints. Aujourd'hui, c'est une réalité. Nous avons un outil, l'outil doctrinal qu'il faut pour cette œuvre. Nous avons longtemps travaillé dans l'ombre, au point que d'une part, nous avons été souvent reprochés par les amoureux de la vraie parole, de cacher la vraie parole, de cacher la parole de Dieu. Mais de l'autre côté, nous avons été aussi reprochés par les moqueurs, mais plutôt d'être proactifs, de ne pas être proactifs, mais de toujours trouver à redire quand d'autres ont prêché, ou plutôt quand ils ont fait leur publication. Pourtant, en réalité, c'est loin d'être cela. C'est plutôt que nous n'avons jamais voulu avoir l'intention de prêcher pour nous faire connaître, ni par rivalité, ni pour un gain sordide, ou encore pour un autre quelconque motif impur. Nous attendions le moment, le coup d'envoi du Seigneur pour mettre à la disposition des saints du monde entier l'arsenal doctrinal de pointe dont nous avons reçu la dotation à sa présence, plutôt de sa part, pour l'œuvre indispensable de la restauration de l'Église des saints dans cette saison. L'heure a sonné et que la lumière soit. Pour inaugurer donc cet espace multimédia, vu les débats qui ont fait rage ces derniers temps sur les réseaux sociaux au sujet de l'Évangile éternel, nous avons considéré que c'était de notre devoir, en tant que gardien du temple, de commencer par rétablir de façon précise et définitive dans l'esprit de tous les saints dans le monde entier
ce que l'évangile éternel. C'est-à-dire le mystère de Christ dans toute sa largeur, sa longueur, sa hauteur et sa profondeur. L'évangile intégral. En effet, la restauration de l'Église des saints ne consiste ni plus ni moins au retour au vrai évangile, à l'évangile éternel, à l'évangile intégral, au fondement apostolique primitif, à l'évangile tel qu'il a été transmis une fois pour toutes par les pères, par les premiers apôtres de l'agneau. Il s'agit d'une question de vie ou de mort. C'est pourquoi nous avons tenu à vous parler de vivre, ayant reçu du Seigneur des révélations et des recommandations très très précises à ce sujet. Et en nous écoutant attentivement, vous ne manquerez pas de vous représenter l'intelligence que nous avons du mystère de Christ au succès. Et que celui qui a reçu quelque autre lumière sur le sujet n'hésite pas à les apporter pour soutenir l'effort global de guerre. Le point précis aujourd'hui, parce que nous allons partir point par point et nous allons faire des vidéos qui ne sont pas très très longues, mais qui sont courtes et qui sont facilement lisibles, eh bien, nous prenons aujourd'hui un point de la loi au témoignage. Ésaïe chapitre 8, verset 20. Voyons ce qui est écrit, j'ai lu au nom de Jésus, à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'oraux pour le peuple. Selon ce verset, comme vous voyez, non pas selon moi, je le répète, selon ce verset, il y a une manière de prêcher la parole de Dieu, de manière à ce qu'il en jaillisse l'eau, la lumière, la vie, pour ceux qui vont y croire. Il faut chaque fois aller de la loi au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, c'est en vain qu'on prêche, et c'est en vain qu'on va y croire. Nous allons relever qu'il y a trois points dans ce verset, parce que c'est tout ce que nous allons voir aujourd'hui. Trois points dans ce verset à relever. Premièrement, l'oro, qu'est-ce que c'est? Deuxièmement, la loi, qu'est-ce que c'est? Et troisièmement, le témoignage. Alors, parlons un peu de l'oro. Naturellement, l'oro, c'est la lumière. C'est l'eau, le soleil, le jour. Et au figuré, on peut dire que c'est la naissance, c'est l'apparition, c'est le déclenchement, la jeunesse, ainsi de suite. Si on lit quelques versets, et vous verrez rapidement un peu ce que je venais de vous dire. Si nous lisons Genèse chapitre 32, verset 24, Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Vous voyez, jusqu'au lever de l'aurore. Là, on voit clairement que peut remplacer carrément l'aurore par jour, jusqu'au lever du jour. Et dans Josué 6, verset 15, on nous dit ceci. Le septième jour, ils se levèrent de bon matin dès l'aurore et ils firent de la même manière sept fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent sept fois le tour de la ville. Évidemment, on nous rappelle ici Jéricho, la prise de Jéricho. Et l'aurore ici est utilisée dans le sens de l'aube, c'est-à-dire dès l'aube, dès le lever du jour, dès l'aube, évidemment, ils ont commencé à faire le tour de la ville jusqu'à ce que la ville se coule. Voilà, dans Ecclésiaste chapitre 11, verset 10, on nous dit, bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'oro sont vanité. Vous voyez ici, c'est une forme figurée de la chose. On présente la jeunesse semblable à l'aurore. Et ici, l'aurore peut entrer dans le cadre. Ça peut signifier la jeunesse elle-même et ça peut aussi signifier l'épanouissement. Donc, c'est pour ça que, pour la force, le déclenchement, on dit bannis de ton cœur le chagrin, éloigne le mal de ton cœur, car la jeunesse et l'aurore son vanité. Bon, vous comprenez? Et voilà ce qu'on peut dire de l'aurore. L'aurore, c'est la lumière, c'est le jour. Mais ça peut avoir une forme figurée dans la nature,
c'est la naissance, c'est l'épanouissement, la jeunesse, ainsi de suite. Maintenant, dans les langages spirituels, l'aura ou la lumière, c'est quoi? C'est la connaissance, la vraie connaissance de Dieu. La connaissance exacte de la parole de Dieu, la vie, le salut, la transformation, le salut, ou alors tout simplement la nouvelle naissance. Voyez-vous? Voilà ce qu'on peut dire. Nous allons lire quelques versets là-dessus et vous verrez que, eh bien, l'aura, c'est la parole de Dieu. L'aura ou la lumière. Regardez un peu dans Jean chapitre 1, verset 1 à 12. C'est un tout petit peu long, mais nous allons dévoiler le livre parce qu'il nous faut comprendre les concepts. Le problème qu'il y a dans la parole de Dieu, c'est d'utiliser des mots sans les saisir, sans en saisir les concepts. Alors, voyez-vous, je lis au nom de Jésus. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Et il y a un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, et que pour que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, voyez, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, c'est très important, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voyez-vous, on parle de la lumière, et la lumière comme la parole de Dieu, la lumière comme Dieu lui-même. Et quand on parle de la vraie lumière, c'est-à-dire la vraie parole de Dieu, parce qu'il y a des fausses lumières, évidemment. Je vais ajouter d'autres versets, parce qu'il nous faut vraiment saisir la chose, saisir l'importance de la lumière avant de passer à autre chose. Si nous prenons Jean chapitre 12, verset 48 à 50, voilà ce qu'on nous dit. « C'est lui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. » La parole que j'ai annoncée. C'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Vous remarquez que ici, la parole de Dieu, il en parle comme quelque chose qui est capital, quelque chose qu'il dit exactement comme on lui a dit de le dire, ou plutôt comme on le lui a révélé, parce que ce commandement-là ou cette parole-là est la vie. La parole, c'est la vie. Vous voyez? Et si nous prenons Paul, Paul nous dira la même chose. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez cru, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si. C'est un conditionnel. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. En bref, il n'y a pas de salut ou de vie éternelle sans la vérité, sans la vraie parole. Voilà ce qu'on nous dit clairement. Et cette vraie parole, c'est ce qu'on appelle la lumière. Parce que la vie éternelle, c'est quoi? C'est la connaissance exacte de Dieu. Pas des à peu près, la connaissance exacte de Dieu. Pourquoi on peut encore citer même Jean chapitre 3, verset Jean 17, 3, je veux dire, on nous dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et dans Jean 8, 32, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous comprenez, frère? C'est la vérité qui a franchi, c'est la vérité qui est la vie éternelle et rien que la vérité. Donc, une fausse parole n'est pas la vérité, elle ne peut pas donner la vie. C'est une question de vie ou de mort. Voilà, en bref, ce que nous pouvons dire de la lumière, de l'aura. La lumière, l'aura, c'est la lumière, c'est la vie. C'est la vraie parole.
Maintenant, parlons un peu de la loi. La loi, qu'est-ce que c'est? Évidemment, nous savons que la loi, c'est Moïse. La loi, c'est l'Ancien Testament. Généralement, on parle alors de la loi et les prophètes, parce que c'est le même temps. Mais attention, par extension, quand on parle de la loi, par extension, je dis bien, c'est la nature tout entière. C'est très important. Vous comprenez? Parce que l'équivalent de la loi de Moïse dans la nature, c'est-à-dire dans le monde entier, c'est la loi de la conscience qui gouverne les nations. Donc le monde entier, pas seulement Israël, est gouverné par la loi. En Israël, la loi comme la loi de Moïse, mais chez les nations, c'est l'extension de cette loi-là comme la loi de la conscience. Évidemment, c'est ce que Paul nous dit dans Romains chapitre 2, versets 12 à 16. Lisons très attentivement. Il dit ceci. « Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui sont justifiés. » Évidemment, là, il parle de la loi d'abord de Moïse. Maintenant, écoutez très bien. « Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes, et montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. » Amen. Voilà ce que Paul nous dit. Vous comprenez que Paul dit que la loi, évidemment, ce sont les juifs qui la connaissent, mais il n'y a pas que la loi, parce que Dieu va devoir juger le monde entier. Et là, comme ce n'est pas le monde entier qui a la loi de Moïse, il va juger Israël selon la loi de Moïse, mais le monde entier, il va les juger comment? Il les jugera sans loi. Mais comment il peut les juger sans loi? Eh bien, il dit, il les jugera par la loi de la conscience. Pourquoi? Parce qu'on constate que naturellement, les nations ou ceux qui ne connaissent pas la loi de Moïse ont une loi dans leur cœur, dans leur conscience, et qui leur reproche, qui leur dit de faire ceci ou cela, ou qui les juge, qui les approuve ou qui les désapprouve selon qu'ils ont agi en bien ou en mal. Et quand on compare avec la loi de Moïse, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que la loi, il y a une loi qui est innée en l'homme. C'est l'extension de la loi de Moïse. Comprenez très bien les mots, parce que, vous comprenez, dans la révélation, chaque mot compte. En un mot, nous voulions tout simplement dire que la loi, c'est la loi de Moïse, mais par extension, c'est aussi la loi de la conscience, donc c'est la nature entière. Prenons le troisième point, le témoignage, parce qu'on nous a parlé aussi du témoignage. Nous avons parlé de l'eau et la lumière, nous avons parlé de la loi, et maintenant, parlons un peu. Je m'excuse. Parlons un peu de témoignage. Le témoignage, c'est quoi? C'est un tout petit peu compliqué. Un tout petit peu compliqué. Car nous savons que la loi et évidemment et toute son extension sont un témoignage. C'est la loi qui est un témoignage. Voilà. Et nous pourrons lire cela ici. Par exemple, vous voyez dans Exode chapitre 25, verset 16, eh bien, il est écrit, « Tu mettras dans l'arche le témoignage que je veux, que je te donnerai. » Aussi, pour finir, l'arche a pris le nom de l'arche de témoignage, parce que Dieu a donné à Moïse le témoignage qu'il a mis dans l'arche. Voilà, par exemple, dans le verset, dans Exode 30, verset 26, on nous dit, tu anoindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage. Vous voyez, on appelle l'arche arche du témoignage. Même pourquoi? Parce que dans l'arche, il y avait le témoignage. Or, ce témoignage était constitué de trois choses. Et c'est Paul qui nous le révèle. Hébreux 9, 4. Je lis ici au nom de Jésus. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri,
et les tables de l'alliance. Trois choses. Vous voyez, il y a la manne que les enfants d'Israël ont mangé, il y a un échantillon qu'on a conservé dans l'arche, il y a la verge d'Aaron qui avait fleuri, et bien, et il y a la table de l'alliance, c'est-à-dire la table de la loi de Moïse. Voilà trois choses qui étaient dans l'arche, et ce sont trois choses qui constituent ce qu'on appelle la loi ou le témoignage. Bien, vous comprenez que quand on dit le témoignage, c'est la loi elle-même. Mais attention, parce que dans notre verset, la Bible, c'est une question de contexte et c'est très important. On nous dit à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y a pas de lumière pour le peuple. Vous voyez que c'est déjà un peu nuancé. Quand on dit maintenant à la loi et au témoignage, ou plutôt de la loi au témoignage, cela ne peut plus vouloir dire de la loi à la loi, ou à la loi, ça n'a pas de sens. Voyez-vous, cela voudrait plutôt dire de la loi à ceux dont la loi a rendu témoignage. C'est clair, non? Autrement dit, de la loi à la réalité, ou plutôt de la loi à la réalité à laquelle la loi nous renvoie, c'est-à-dire à Christ, c'est-à-dire à la nouvelle alliance. C'est l'accomplissement de la loi et les prophètes. Si vous comprenez bien, par extension, c'est l'accomplissement de tout le message que la nature annonce depuis la création, sans pour autant que nous y prenions garde. Parce que la loi a annoncé des messages qui s'accomplissent en Christ, mais pas seulement la loi, la nature elle-même, la nature entière, comme je l'ai déjà dit, par extension, et l'extension de la loi, et elle a annoncé, c'est un langage qui nous parle, et puis elle a annoncé des messages qui aussi s'accomplissent tous en Christ. Je vais vous lire un verset là-dessus, sinon, ne serait-ce que psaume, il y a beaucoup de versets, mais nous prendrons psaume 9, je vais dire 19, 2 à 5. Vous pourriez aussi lire à la maison, Romains chapitre 1, verset 17 à 25. Mais ici, nous lirons seulement psaume 19, 2 à 5. J'ai lu un autre chiffre. Au chef des chantres, psaume de David, les cieux racontent la gloire des dieux et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne naissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont les sons ne soient point entendus. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Vous voyez, la nature, c'est un langage, ça parle. Ça parle. Maintenant, voici ce qu'on peut maintenant lire sur le témoignage, comment la loi et toute la nature rend témoignage à Christ. Il y a beaucoup de versets, mais c'est important. Nous allons les lire très rapidement, juste pour vous donner une idée sur ce que nous sommes en train de dire. Prenons Jean chapitre 5, verset 32 à 35. On nous dit, il y en a un qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Évidemment, il parlait de Jean-Baptiste. Dans Jean 5, 37, on nous dit, et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. Le Père lui-même rend témoignage de Christ. Prenons Jean 10, 25. Il dit, je vous l'ai dit, et vous ne me croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Vous voyez, toutes les œuvres de Christ rendent témoignage. Ça rend témoignage de vous. Alors, dans Jean 15, 26, il dit, quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Encore une fois de plus, quelqu'un qui rend témoignage, et cette fois c'est le Saint-Esprit. Dans Jean 5, 39, il dit, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Voyez-vous, les Écritures, toutes les Écritures rendent témoignage. Dans Romains 3, 21, il dit, mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Vous voyez, dans 1 Jean 5, verset 7, on nous dit, car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit,
l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Vous voyez, pour finir, parce qu'on va parler toute la Bible, dans Actes chapitre 23, verset 11, la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut que tu rendes témoignage dans Rome. » Si je comprends bien, cela veut dire que chaque parole de Dieu qui est dans l'Ancien Testament hein, a un correspondant dans la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire dans le Nouveau Testament, et vice-versa. Cela veut dire que sur n'importe quel sujet d'étude biblique, c'est limité uniquement à l'Ancien Testament ou c'est limité uniquement au Nouveau Testament ne peut pas nous donner suffisamment de lumière pour conduire quelqu'un au salut. C'est très important ce que ces versets veulent nous dire. Vous comprenez, frère? C'est-à-dire quoi, en résumé, la nature entière, toute la nature. Moïse, les prophètes, les premiers apôtres, Israël, l'Église, les Écritures, les œuvres du Christ. C'est-à-dire quand on parle des œuvres du Christ, sa naissance, sa vie terrestre, les miracles qu'il a fait, sa mort, sa résurrection, son ascension, etc. Tout rend témoignage à la parole. Absolument tout. C'est pourquoi dans la science des saints, pour être absolument sûr que ce que nous avons comme connaissance est vrai, nous devons être capables d'en faire une démonstration de la loi au témoignage, de l'ombre à la réalité. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas de lumière pour le peuple. Voilà l'explication. Je crois que nous sommes à la fin de ce programme, de cette partie, parce que nous ne voulons pas être très long. Si vous avez été béni par cette parole, alors cliquez sur j'aime et partagez. Si vous voulez une très large diffusion de façon à bénir le plus de personnes possible. Voyez, vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne, déjà à notre compte Facebook et à notre chaîne YouTube pour ne plus manquer aucune de nos publications. Vous pouvez nous poser toutes vos questions sur Facebook, dans la boîte de dialogue ci-dessous. Et mieux encore, vous pouvez aussi commander une publication sur un thème, voyez-vous, sur n'importe quel thème qui vous tient à cœur. Et nous verrons ce que nous pouvons faire selon la grâce qui nous a impartie. Et si vous voulez apprendre la vraie parole, la sainte doctrine, la parole pure, sans mélange, ni hybridation, et si vous voulez vraiment approfondir la connaissance de la parole, pour atteindre les 4D, donc la dimension de l'Évangile éternel, alors n'hésitez pas vite, rejoignez-nous en vous inscrivant à notre école de révélation en ligne ou Conservatoire des sciences saintes. Conservatoire des saintes sciences en sigle CSS. Pour plus d'informations, contactez-nous inbox. Salutations spéciales à notre frère Ernest Mdoye, administrateur de l'Église des Saints restaurés à Douala, et aussi notre frère Orne Aimé Nana, celui qui travaille sur le continent européen. Et puis nous avons aussi, de l'autre côté, nous pensons, faisons un clin d'œil à Tata Grace, qui est en France. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à tous. Bye bye.